Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui. Nous sommes en plein vent, comme vous pouvez le voir, en pleine tempête, dans la tempête du siècle. Et nous sommes sur la suite de Roblox Deep Space Tycoon. Je me suis dit que ça faisait beau, pourquoi pas faire ça dehors tranquillement. En plus ça me permet d'essayer Roblox sur mobile. C'est la première fois qu'on essaye, salut William. Bonjour, salut. Bonjour, papa. Comment tu vas? J'ai l'impression qu'on a un apesanteur là sur Deep Space Tycoon, mon vieux. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien, franchement. Ça réagit vachement bien. Ouais, ça réagit bien. Donc du coup, la dernière fois, on s'était arrêté là. J'ai vu qu'il y avait plein de likes sous la vidéo. Alors les gens, bien sûr, si vous êtes toujours chaud, n'hésitez pas. Hein. Petit like toujours sur la vidéo. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. On fait péter tout ça. Et un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qu'on va faire d'autre par la suite. Oh. Voilà, on va acheter. Il est stylé, le vaisseau. Voilà. On se retrouve à l'intérieur cette fois-ci parce qu'en fait ça faisait un petit peu trop mauvais dehors, le vent commençait à se lever et tout. Alors ça tombe très bien qu'on nous ait proposé cette vidéo parce qu'en fait William joue déjà à Chain Strike depuis un petit moment. Ouais. En tout cas les gens, ne soyez pas déçus bien entendu du Roblox, il y en aura d'autres, il y en a souvent sur la chaîne. Oh là là. Aujourd'hui, découvrons un petit Chain Strike, ça fait toujours plaisir. C'est bon. Et un petit pouce bleu pour le voyage à Dubaï, pensez-y quand même. Voilà, si vous voulez des petits vlogs et tout à Dubaï. Donc déjà, il y a plusieurs modes de jeu qui se débloquent au fil de l'aventure. Ouais, alors faut savoir aussi qu'un petit peu, c'est un William petit nous peu en parle. Un mélange comme un échiquier en fait. C'est ça. Chaque joueur, on va dire qu'il est attribué à un pion d'échec en fait, si vous voulez. Et donc du coup, le fou, vous savez, il peut se déplacer en croix. Si vous connaissez les échecs, vous connaissez un petit peu les pions. Si vous voulez connaître l'histoire, rendez-vous dans la description. Il y a un lien pour télécharger le jeu, bien sûr, gratuitement. N'hésitez pas. On en vient tout doucement à la tactique. C'est qu'au début, il va falloir placer nos personnages, qu'on va pouvoir bien sûr faire évoluer tout au long de l'aventure. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas démarrer, tes personnages vont démarrer dans une position en fait. Ouais. Donc. On dirait qu'on a joué à Chain Strike toute notre vie, mon vieux. Ah bah moi, toute la nuit. Écoute, moi je vais les mettre comme ça, William. Qu'est-ce que tu penses de notre stratégie? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. 4-2-2, hein. Formation 4-2-2, demandons dans les commentaires ce que vous pensez de notre stratégie. N'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous jouez à Chain Strike? Ouais. Là, on a son champ d'action. Voilà, c'est ça que William voulait nous expliquer. Ça, j'ai peut-être pas trop compris. Là, moi, si vous voulez, là j'ai cliqué sur le perso et du coup, on a le champ d'action. On voit où c'est qu'il peut attaquer. Donc là, en fait, on voit bien qu'il peut pas attaquer forcément. D'accord. Si je clique sur l'autre qui est pas forcément le même parce que c'est un autre pion d'échiquier, ça encore, c'est un autre pion. Allez, je suis un fou, je lance une attaque. C'est parti, mon vieux. Ouh là là, je l'ai démonté, mon vieux. Avec une petite fin de tour, histoire de passer notre tour maintenant parce que du coup, tu peux plus. On s'est fait un petit peu déglinguer pour ce premier tour, mais c'est pas grave, regardez. Ouais, là je peux attaquer et à mon avis, je vais lancer celle-là direct. Dans ta face, attaque spéciale magique Chain Strike. Alors, voyez un petit peu, voyez que c'est quand même très intéressant. C'est pas du Roblox, mais ça ressemble un petit peu à du Tycoon. Lui, tu sais quoi, si tu veux, si tu l'attaques même pas, si t'attaques celui d'au-dessus, peut-être qu'après lui va galérer. Ouais, mais attention, tactique. Moi, t'es près de ton collègue. Voilà. Et restez bien sûr, parce qu'après, on va vous montrer le mode multijoueur. Eh oui, William, t'as essayé un peu le mode multijoueur? Non. Bien sûr que non. Demande-moi si j'ai essayé. T'es pas encore à ce niveau-là. Peut-être que j'ai essayé. Pas besoin de te demander. Ça sent le coup de grâce d'échaînement. Attention, attaque Chain Strike. Le canard, il a rien compris, mon vieux. Il a rien compris. C'est vrai que là, moi, j'ai pas trop de stratégie. Ah, là, il est mort. Regardez, attaque spéciale. Je vous montre l'attaque spéciale et les animations, franchement, ils sont. William. Elles sont stylées. Elles sont stylées, regardez. Attaque Chain Strike. Regardez ça. Hein? Voilà, vas-y, attaque, attaque. Là, il est mort, William. Il est quand même parti. Ah, putain, il a bougé. C'est bon. Allez, crack. Bye bye le roi canard. Au revoir. Bien sûr, regardez, on XP nos personnages parce qu'il y a un côté RPG. On va pouvoir évoluer nos personnages tout au fil de l'aventure. Donc ça vraiment c'est cool, vous voyez qu'on aura gagné des petits rubis et tout, un petit bouclier. Récompense de réussite obtenue, yes, nickel. Alors comment faire le mode multi maintenant? On a un petit chat comme vous pouvez le voir juste en bas, il y a déjà pas mal de monde qui communique sur le jeu. Ah
Salut, Voilivoilou. Et du coup, j'ai reçu ta demande d'amis, William. Visite-moi. Bien entendu, j'y arrive tout de suite. Et là, nous rentrons donc dans le mode multi, les gens. Donc, le mode multi, en fait, il n'y a pas de combat à plusieurs sur un boss. Par contre, il y a de l'arène. Ah, combat. Regarde, William, je te défie au combat. Tu me défies? Tu dois terminer le chapitre 2-1 de l'aventure pour entrer dans le combat amical. Ah, mais c'est pas grave, je peux te visiter. Visiter maintenant le village de Voilivoilou. On va visiter le village de William. Eh ouais, tout à fait, William, on va visiter ton petit village. Faites pas attention au bordel. Faites pas attention, il y a du bordel. Pour le combat, faut terminer le chapitre 2 pour faire des combats amicaux et tout. Ouh, bah dis-moi, bah, c'est joli chez toi. C'est un peu vide. Ah bah oui. Alors? Ouais, mais je viens d'emménager. Hein. Ah ouais, tu viens d'emménager. Écoute, il est pas mal ton petit village. Oui, ça, j'ai trouvé que ça faisait très épuré. Ça fait très épuré. Ouais, d'accord. J'aime l'authenticité. Voilà, bon, écoutez les gens. Cette vidéo sur Chain Strike va se finir ici. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Pour le petit voyage à Dubaï, il y a des petits vlogs et tout, ça ferait plaisir, voilà. N'hésitez pas à aller télécharger le jeu dans la description, franchement, il est cool. Non, mais il est super, en vrai. Ouais, il est gratuit, en plus, ça fait toujours plaisir. Un petit jeu gratuit. Alors, ça mange pas de pain. Tout ce qui est gratuit. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye. Bye bye.